Hello, my name is Olivia Bova. I'm a psychologist and counselor social emotional. With my creative talk, I would like to share with you the amazing life and ideas of people around the world, because each person is unique and special. Et voilà, bonjour. Aujourd'hui, on est ici avec Christina. Christina, elle est française et portugaise et elle habite en France, à Paris. Christina, le plaisir de t'avoir ici. Et voilà, j'aimerais bien si tu peux te présenter, dire qui tu es, qu'est-ce que tu fais de beau, quels sont tes projets. Voilà, d'abord, te présenter, comme ça les gens peuvent comprendre cette belle interview. Bon, bah, merci beaucoup, Olivia, de ton invitation et de faire partie du coup de ce lot de personnes que tu as la chance d'interviewer et dont les interventions sont toutes très riches et de tout ce travail que tu mènes qui est formidable. Merci beaucoup. Alors, je m'appelle Christina Figueiredo et en fait, je suis anthropologue. Donc, l'anthropologie est une discipline qui étudie l'humain dans son expression contemporaine, que ce soit dans une société d'Afrique, d'Asie, ou en France, ou en Europe. Ce qui intéresse l'anthropologue, en fait, c'est la manière de s'exprimer des différents humains dans leur globalité. Et ce qui distingue l'anthropologue, en fait, de l'ethnologue, c'est que l'ethnologue, on l'est tous, normalement, en tant qu'anthropologue, on est tous aussi ethnologue. Au départ, on fait une thèse sur un sujet précis et dans une société précise. Donc, moi, j'ai fait ma thèse sur les Touaregs. Okay. J'ai donc vécu au Sahara. J'ai vécu parmi les Touaregs. Oh, j'ai vraiment, appris la langue Touareg. Oh, c'est génial. Et combien de temps tu as vécu là-bas? Alors, j'y suis allée plusieurs fois. J'y suis allée, quand j'y allais, en fait, pour le terrain de thèse, j'y allais pour des longues périodes, en général un an. Donc, j'y suis allée deux fois un an d'affilée. Et ensuite, j'ai fait des plus courtes périodes de 6 mois ou 4 mois. Il faut savoir qu'à l'époque où je faisais ce terrain, c'était au nord du Mali. C'était une région qui était bloquée, comme elle l'est aujourd'hui d'ailleurs. Et dans les années 1990, les premières années où j'ai fait mon terrain, cette région était très difficile d'accès. Et donc, des fois, je mettais un mois pour aller de Bamako, donc de la capitale du Mali, à mon terrain de thèse qui était complètement au nord du Mali, quasiment à la frontière algérienne. Wow. Donc, partir pour 2 mois, c'était ridicule parce que si tu mets un mois pour arriver et un mois pour revenir, tu ne peux pas faire ton terrain. Donc, en général, en effet, les ethnologues, ils partent longtemps sur le terrain pour s'habituer, pour se faire accepter aussi. Et puis, parce qu'on considère qu'on ne peut comprendre les gens et leur expression que dans la longue durée, en fait. Oui. Pas seulement avec des entretiens ou des interviews, mais vraiment en vivant avec les gens. Et on a une méthode qui s'appelle l'observation participante, c'est-à-dire que où que tu sois, dans quel milieu tu sois, tu vis avec les gens, tu participes à la vie quotidienne avec ces gens. Voilà. Et question, est-ce que tu es partie toute seule ou avec d'autres étudiants, d'autres doctorants? Parce que, c'est aussi... Non, je suis partie seule, j'ai été introduite par des Touaregs que j'ai rencontrés ici, et puis parce que j'avais étudié la langue Touareg à l'Institut des langues orientales. Et donc, ça a créé des liens et j'avais donc des recommandations, si tu veux. À chaque fois que j'allais quelque part, j'étais recommandée par quelqu'un qui me disait, là-bas, je connais, il y a ma cousine qui travaille, là-bas, c'est où il y a ma famille, etc. Donc, j'étais un peu envoyée comme ça dans différents endroits. C'est très courageux.
parce que voilà, tu es seule. Et comment, pardon, hein, mais je le trouve super intéressant. Comment tu faisais pour garder le contact avec l'université, ton professeur C'était quasiment pas possible. La première lettre que j'ai envoyée à mes parents quand je suis arrivée sur mon terrain, elle est arrivée 3 mois plus tard pour leur dire que j'étais bien arrivée à destination. Et en fait, mon directeur de thèse, je pouvais le contacter par message qu'on appelait RAC, qui est un système radio finalement, et je pouvais le communiquer que quand j'étais dans des grandes villes, à Gao ou à Bamako. Donc autant te dire, tous les 6 mois, donc j'ai dû le contacter une ou deux fois pendant mon terrain. Et il se trouve qu'à un moment donné, il faisait lui aussi un terrain au Mali, dans le secteur de Ombori, c'est un peu au sud de Tombouctou. Et il se trouve que par hasard, au milieu de cet énorme Sahara, nous nous sommes rencontrés sans se donner rendez-vous. C'est génial. En fait, je revenais accompagner une amie à Bamako. Et dans le bus s'arrêtait. Il y a un bus en fait qui fait la liaison de Bamako à Gao. Et oui. Dans le bus s'arrêtait à Ombori. Et à Ombori, j'avais rencontré une infirmière à l'aller. Et quand elle m'a vue arriver, elle m'a dit « Mais ton directeur de thèse est là !» Et donc, j'ai parlé avec mon directeur de thèse un quart d'heure, le temps de l'arrêt du bus. Non, oui, c'est super. Voilà. Et donc, j'ai mené ces recherches pendant près de 15 ans, mais par des terrains, c'est-à-dire je partais un an, je revenais un an, je repartais un an. Après, je suis partie 2 ou 3 ans après, 6 mois, et puis ensuite 3 mois. D'accord. Voilà, donc quand j'avais des petits financements, je repartais sur le terrain. Et voilà. Comment c'est arrivé en fait le choix de l'anthropologie? Parce que enfin, moi, il faut dire, je suis psychologue, mais j'ai quand même commencé, j'ai aussi un bachelor en fine art et je me souviens très bien en Italie. Mon premier examen, ça a été anthropologie culturelle. Et j'ai adoré. En fait, j'étais là et je me disais, oh, mais je pense que je vais changer de département. Après, je ne l'ai pas fait parce que j'étais toute jeune, je ne savais pas trop. Je l'ai trouvé formidable. Je me demande comment où c'est venu ce choix? Est-ce que tu as quelqu'un en famille ou tu as senti en fait cette inspiration? Alors, enfant, j'étais fascinée par les documentaires de National Geographic. Au Portugal, on avait ça qui passait, je crois, le dimanche. Et je me battais quasiment avec mon frère parce que lui voulait regarder foot et moi, je voulais regarder les documentaires du National Geographic. Il y avait quelque chose qui me fascinait complètement dans ces populations ailleurs qui nous amenaient tellement d'étrangeté et en même temps tellement de richesse. Et donc, voilà, ça, c'était la première chose. Je dirais qu'une autre chose, c'est adolescente à Lisbonne, je prenais le bus pour aller au lycée et très souvent, je regardais ces gens monter et descendre dans le bus, marcher dans la rue et j'avais un petit sentiment nostalgique où je me disais, j'aimerais tellement savoir qui sont ces gens, comment ils vivent, comment ils vivent dans leur vie, quoi. Enfin, j'avais envie de rencontrer un univers totalement différent et presque j'aurais envie de dire que ça crée en moi une espèce de mélancolie finalement de me dire que je ne pourrais jamais tout savoir sur tous ces gens et ensuite j'ai découvert que il y avait un moyen de savoir de manière plus universelle finalement comment les gens se représentaient le monde avec des expressions différentes certes mais avec des structures totalement communes les unes aux autres dans différentes sociétés, qui était en effet l'anthropologie. Et à partir du moment où j'ai découvert ça, je suis partie à Paris et immédiatement, j'ai voulu me lancer dans des études d'anthropologie.
Wow, fascinant. Alors, à l'époque, on ne pouvait pas faire anthropologie dès la première année. On faisait Ah oui. un DUG, on appelait ça un DUG qui correspond aux deux premières années de licence de sciences humaines et sociales. Et Ah on oui. avait option anthropologie. Et à ce moment-là, je faisais un double DUG avec la psycho, en fait, parce que je m'intéressais aussi à tout cet univers. Je pensais qu'on ne pouvait pas juste comprendre ce qui s'exprimait à l'extérieur, mais ce qui s'exprimait aussi à l'intérieur. Mais finalement, j'ai laissé tomber la psycho pour me consacrer exclusivement à l'anthropologie. Ça demandait déjà beaucoup. Ah ben oui, bien sûr. Et après, en fait, en anthropologie, j'imagine, c'est comme un psycho, à partir de troisième année, il y a quand même une spécialité, non? Parce qu'après, comme tu as fait un Oui, doctorat. en fait, il y a différents domaines. Pas tout de suite dès la licence, en fait, ou dès le master. Il y a en effet une répartition de l'anthropologie, anthropologie religieuse, anthropologie politique, anthropologie de la parenté, etc. Mais en fait, à mon époque, c'était plutôt les aires géographiques qui existaient. Ah, Donc, d'accord. c'était les africanistes, les américanistes, les océanistes, etc. Et en fait, au départ, j'avais très envie de faire un terrain en Afrique lusophone, plus particulièrement en Afrique de l'Ouest à Guinée-Bissau, en fait, parce que c'est une ancienne colonie portugaise et que j'avais un ami de là à Lisbonne Ah oui, d'accord. et on avait beaucoup discuté. Et donc, en souvenir de ces différentes discussions, j'avais envie d'aller là. Et par contre, il y avait une chose sur laquelle je voulais absolument travailler, qui était le statut des femmes. Je voulais en fait parler et découvrir comment finalement les femmes étaient traitées, quel statut elles avaient dans différentes sociétés. Je voulais donc aller en Guinée-Bissau. D'accord. Et puis finalement, avant d'aller en Guinée-Bissau, j'ai voyagé au nord de l'Afrique, au Maroc, en Algérie, en Tunisie. Et j'ai découvert le monde berbère. Oui. Et je sentais bien que même s'il y avait une division du masculin et du féminin très fort, qu'il y avait une expression féminine qui était là, qui était tout à fait intéressante. Oui, je vois. Et puis j'ai fait un voyage jusqu'à Tamanrasset en Algérie. Donc c'est le sud de l'Algérie, ou le pays des Touaregs, hein. Et là, en fait, j'ai découvert un campement qui était tenu par des femmes. L'homme qui était dans ce campement, c'était lui qui s'occupait de tout, de faire à manger, de faire le thé, de s'occuper des animaux. Et les femmes, elles faisaient rien. Ah oui? Et j'ai Ah. trouvé ça absolument fascinant. Ah Et c'était très différent de ce que j'avais vu au Maghreb, en plus, en Afrique du Nord. Et là, je oui. me suis dit, je veux travailler ici. Je veux travailler dans cette société. C'est avec eux que je pense que je vais avoir une vision, la vision la plus originale finalement d'un statut féminin qui me paraît pas du tout dominé, hein, où il ne semblait pas y avoir de domination masculine finalement. Et c'était ça qui m'intéressait. D'accord, waouh, super. Et du coup, après le sujet de ta thèse, c'est comment s'articule en fait, parce que c'est plusieurs années, tu y allais souvent, comment s'articule. Tu avais pas des, j'imagine, tu avais aussi des cours à Paris et puis après tu partais et tu pouvais faire des choses aussi à distance. Comment? Parce que c'est tellement fascinant, il y a Non, je tellement. ne pouvais rien faire à distance parce que, en fait, même les livres, j'ai dû emmener un ou deux livres, mais tu sais, quand tu pars pour un an avec un bagage qui ne peut pas faire plus de 20 kilos, donc Oui. tu emmènes déjà des médicaments, des choses essentielles et tu ne peux pas emmener trop de livres. À l'époque, on n'avait pas d'ordinateur portable non plus. Ah oui. Donc, j'avais surtout des cahiers pour prendre des notes, des stylos. Quelques vêtements et puis le nécessaire pour vivre au cas où il m'arrive un pépin, en fait. Et tu Et en prenais, fait, pardon, tu prenais comment? aussi des photos. Tu documentais Oui. aussi avec des et des enregistrements.
J'imagine, parce que Oui, j'avais en fait un magnéto, une caméra et un appareil photo. Et en fait, la caméra, je l'ai très peu utilisée parce qu'il fallait charger la batterie, il n'y avait pas d'électricité. Donc, j'ai très peu de films. L'appareil photo, c'était un mécanique, donc ça allait. Donc, il fallait emmener les pellicules, justement, aussi. Et puis, l'enregistreur était à pile, donc ça va. J'arrivais à me débrouiller avec ça, en effet. Et en fait, je suis partie déjà avec un projet de recherche. Quand tu fais une thèse, tu dois présenter un projet de recherche. Et ce qui m'intéressait, en fait, étant donné que j'avais vu au nord de l'Afrique un statut féminin très différent, avec une expression, une extraversion masculine très forte par rapport au statut des femmes, qui étaient beaucoup plus à l'intérieur, etc. Et alors qu'en pays touareg, j'avais immédiatement vu que c'était les femmes finalement qui faisaient la conversation, qui avaient beaucoup d'autonomie, etc. Je savais aussi que compte tenu des difficultés que traversaient les Touaregs depuis plusieurs années, il y avait énormément de jeunes et des jeunes adolescents qui partaient en Libye, en Arabie Saoudite. Plusieurs ont fait les guerres du Moyen-Orient, en Syrie, au Liban, etc. Et en fait, ils partaient sans avoir achevé leur éducation touareg. Et dans des pays à forte domination masculine. Donc, ma question était de savoir, c'est quand ces jeunes revenaient, qu'est-ce qu'ils cherchaient à imposer comme représentation du masculin et du féminin. Donc, je suis partie avec cette idée-là, finalement, de voir qu'est-ce que faisait l'exil dans des pays fortement marqué par le patriarcat à ces jeunes, issus d'une société totalement différente. Et en fait, sur le terrain, chez les Touaregs, bon, les premières hypothèses sont apparues très vite. En effet, ces jeunes n'avaient pas complètement achevé leur éducation Touareg. Donc, quand ils revenaient, en effet, ils avaient plutôt acquis des manières de ces pays à forte domination masculine. Donc, ils cherchaient à s'imposer aux femmes. Ça ne marchait pas du tout en pays touareg. C'était impossible que des hommes cherchent à dominer des femmes. C'était pas possible. Donc, ils étaient très malheureux. Plusieurs dépressifs, voire avec des attitudes borderline ou quand ils pouvaient, à utiliser même des toxiques, etc. Et en fait, il y a une chose qui m'est apparue sur le terrain, c'est que je ne pouvais répondre à aucune question et je ne pouvais rien comprendre à la société si je ne m'intéressais pas à l'éducation des enfants chez les Touaregs. Et donc, j'ai commencé à travailler avec les femmes et les enfants sur la manière finalement où les représentations sociales et culturelles du genre, du féminin et du masculin, se faisaient pendant l'enfance. Et comment finalement ces enfants étaient imprégnés d'une attitude à la fois égalitaire vis-à-vis des hommes et des femmes, qu'est-ce qu'un homme, qu'est-ce qu'une femme, mais aussi d'une non-violence qui était tout à fait aussi inhabituelle pour des sociétés qui ont plutôt l'habitude, en effet, de pratiquer les châtiments corporels des enfants, par exemple. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser à l'anthropologie de l'enfance. Il y avait très peu de recherches à ce moment-là, quand j'ai démarré là-dedans. Et à ces catégories, finalement, du masculin et du féminin dans différents systèmes d'éducation. Et du coup, en fait, est-ce qu'il y a, ou il y avait, enfin, plutôt, il y avait des écoles où tu allais, tu, comment, enfin, je sais, je cherche de comprendre la manière, parce que bon, moi, je suis habituée à travailler dans des écoles internationaux, mais partout dans le monde, mais c'est clair, c'est totalement différent. Du coup, j'aimerais bien comprendre comment, j'imagine, dans un village, Alors, j'avais un pied-à-terre dans les villages. Donc, j'ai d'abord travaillé au sud de Tombouctou, dans un village qui s'appelle Gossi. Et notamment, j'ai travaillé avec les Imédé Darène,
Alors, eux, c'est très particulier parce que c'est la femme qui possède absolument tout, les biens, les animaux, les pouvoirs, c'est elle qui les transmet, etc. Donc, un système matrilinéaire, c'est-à-dire que le système de filiation passe exclusivement par les femmes. Et donc, c'était passionnant, sauf que j'ai pu rester dans cette région du Gourma que 3 mois, parce que, en fait, il y a eu des guerres qui ont éclaté et il a fallu que je fuie avec les Touaregs. Donc, certains sont partis vers la Mauritanie, d'autres sont partis vers le nord, en Adar, et moi, je suis partie vers le nord. Et là, j'étais dans une société où ils sont patrilinéaires, mais en fait, ce sont des. Le système a changé il y avait seulement quelques siècles, donc on sentait en fait tout le système que j'avais vu dans le Gourma, avec ses biens féminins, etc. Je le retrouvais d'une autre manière, exprimé moins clairement, mais existant aussi, dans le Nord, où les Touaregs sont patrilinéaires, mais où il y a une chose fondamentale qui existe. Quasiment partout dans le monde touareg, sauf dans une société au Niger, enfin, dans un groupe touareg du Niger, qui est le fait que l'habitat appartient aux femmes. Donc, elles ont toujours un toit sur la tête, alors que les hommes, eux, s'ils divorcent ou s'ils sont veufs, ce sont des vrais nomades, mais pire encore, ce sont des SDF, en fait. Parce que l'abri, c'est celui de la mère ou c'est celui de l'épouse. Jamais il ne possède quelque chose. Mais il y a là encore un changement, qui est que quand on va dans les villages, eh bien, la plupart du temps, ce sont les hommes qui ont des emplois rémunérés. Et donc, ce sont eux qui finissent par acheter les matériaux pour construire le domicile. Et du coup, la maison finit par leur appartenir. Donc là aussi, il y a un changement de perspective. À partir du moment où l'habitat devient masculin, il y a en effet une perspective différente. Il y a le fait aussi que dans le village sédentaire, donc dans le nord du Mali, j'étais à Tessalit, il y a des administrations. Il y a la gendarmerie, il y a la police, il y a une mairie. Et il y a des écoles, comme je le disais, mais des écoles pour les petits quand c'est possible, c'est-à-dire quand les fonctionnaires qui sont souvent envoyés du sud du Mali arrivent à 1 000 km au nord, et du coup il y a école. Et donc j'avais un pied-à-terre dans ces villages sédentaires où je posais mes affaires. J'étais souvent hébergée par une famille. Et puis, souvent, il y avait des nomades qui venaient me chercher parce qu'ils avaient entendu parler d'une jeune femme qui voulait travailler sur les Touaregs, comprendre comment ils vivaient, etc. Ça les intéressait. Et du coup, ils venaient me chercher. Mais ça pouvait être d'un moment à l'autre. C'est-à-dire, tu te lèves le matin, tu déjeunes avec la famille qui t'accueille, tout d'un coup, il y a quelqu'un qui arrive, qui prend le thé et qui dit, je t'emmène dans mon campement. Ah oui, mais Et là, et du coup, t'as pas eu peur. Enfin, je sais pas, comme ça. Non, ah, non, je ne me suis jamais posé cette question en fait. La plupart du temps, c'était des gens qui connaissaient la famille dans laquelle j'étais ou que la famille dans laquelle j'étais connaissait parce que c'était un parent de la famille d'à côté, etc. Il n'y a pas d'inconnu, hein, c'est un petit monde malgré tout, donc on savait qui c'était. Et donc, j'avais juste le temps de mettre 3 affaires dans un sac à dos et de partir. Et je ne savais jamais combien de temps j'allais partir parce que je pouvais rester quelques jours, parfois un mois, comme ça, dans les campements, Quelle parfois aventure! plus. Wow. Je suis fascinée. Et c'était comme ça que ça se passait. Et à Tessalit, en fait, il y a eu un moment où il y a eu la grève des enseignants de l'école. Et donc, du coup, les gens sont venus me chercher et m'ont supplié de faire la classe aux élèves. Et donc, j'étais un peu embêtée au départ parce que, bon, même si on fait de l'observation participante, là, c'était une vraie fonction qu'on me demandait. Et du coup, j'ai un peu négocié dans le sens où j'ai dit, bon, la première année, ça va être un peu difficile parce que c'est quand même tout un apprentissage de la lecture, de l'écriture, etc. Je veux bien prendre les classes de deuxième et de troisième année. Et je leur ai dit, par contre,
Ça peut durer un mois, ça peut durer 2 mois, mais le jour où j'ai des nomades qui viennent me chercher pour partir dans un campement, je partirai. Et ils m'ont dit non, mais c'est super, déjà si c'est qu'un mois ou deux, peut-être que la grève sera finie et finalement qu'il y a des enseignants qui vont venir, etc. Et donc, j'ai été institutrice dans ce village du nord du Mali de manière totalement informelle et non rémunérée pendant près de 2 mois. Et ça a été extraordinaire pour mon sujet de thèse finalement, parce que j'ai vu un autre rapport aussi à l'éducation et à l'éducation formelle, celle de l'école, alors que jusqu'à présent, j'étais dans l'éducation parentale, dans l'éducation informelle, etc. Et là, tout d'un coup, je découvrais aussi le rapport à l'école, à la fois des enfants et aussi des parents et du directeur de l'école, parce que le directeur de l'école, lui, était Touareg et il était là. D'accord. Donc, c'était tout à fait passionnant. Et finalement, combien de temps tu as enseigné à l'école? Un peu moins de 2 mois. Et ensuite, il s'est trouvé qu'un nomade est venu me chercher et que du coup, je suis partie en milieu nomade. Les occasions d'aller en milieu nomade, déjà, il n'y avait pas de voiture à l'époque, ou très peu. Et être acceptée dans une famille nomade, c'est vraiment un grand honneur dans le sens où tu t'imposes réellement jour et nuit dans le quotidien. Bon, dans une famille sédentaire, c'est pareil, mais dans une famille sédentaire, tu arrives quand même à avoir une pièce à toi. Moi, j'avais une pièce à moi dans les villages. Y a un peu plus d'autonomie, alors qu'en milieu nomade, la tente, elle est là et tu partages tout et tu vas au puits avec les gens et puis tu nomadises avec les gens. Donc, c'est pas évident d'accueillir une étrangère qui peut un peu venir mettre un peu de ralentir le mode de vie de ces gens. Et en fait, non, pas du tout. Ils sont finalement très, très avides d'échanges. Et très heureux de pouvoir transmettre aussi leur vision du monde, leur manière de penser. Et ça, c'est formidable. Oui, waouh. Et du coup, tu continues quand même à aller dans le terrain maintenant, c'est plutôt sédentaire à Paris ou en Europe? Alors, mes recherches sur les Touaregs, je les ai arrêtées parce que peut-être que tu sais qu'il y a Al-Qaïda au Maghreb là-bas, oui. Et que mon dernier terrain, c'était en 2005, donc tu vois que ça fait longtemps. Et en fait, les amis Touareg de l'époque me disent maintenant, tu ne reviens pas tant qu'on ne te dit pas feu vert. Et alors, je parle avec eux par WhatsApp ou par différents moyens. Il y a quelques Touareg en France, donc je communique avec eux aussi. Mais je ne suis jamais retournée sur le terrain au Mali. Et du coup, j'ai entamé une autre recherche puisque entre-temps, j'ai été recrutée à l'université, l'université Paris Descartes, qui aujourd'hui s'appelle Université de Paris parce que Paris 5 a fusionné avec Paris 7. Et en fait, il y a Pierre-Henri Castel, que tu dois connaître sûrement, qui est un psychanalyste, philosophe et psychanalyste, qui est venu chercher plusieurs membres de l'université pour constituer une équipe autour de la réflexion des jeunes hikikomori, c'est-à-dire des jeunes qui se retirent à domicile. C'était un phénomène que l'on disait typiquement japonais. Et en fait, les psychiatres et anthropologues japonais ne voulaient pas sombrer dans ce culturalisme de la pathologie mentale et voulaient mener une étude comparative avec la France sur l'expression de la détresse et la conduite de retrait. Et du coup, il m'a sollicité, puisque je travaillais sur l'éducation, il m'avait sollicité. Il m'a sollicité et donc j'ai fait partie de cette équipe de recherche qui du coup a mené des enquêtes au Japon et en France sur le phénomène du retrait des jeunes, enfin des adolescents et des jeunes. Et pendant que je menais cette enquête, en fait, j'ai mené des entretiens avec des psychiatres et des psychanalystes
dans des maisons d'adolescents. Et en fait, j'ai trouvé ça passionnant. Et j'ai décidé de mener une enquête dans une maison d'adolescents où là, j'ai vécu exactement comme avec les Touaregs, mais à Paris, en région parisienne, en fait. Et donc, j'arrivais le matin, je prenais le petit déjeuner avec les adolescents hospitalisés. Je faisais toutes les activités avec eux. Et j'ai fait en sorte d'être acceptée presque comme l'une d'entre eux et non pas comme une soignante, en fait, ben oui. pour mener une enquête anthropologique et qui n'ait pas le biais, en fait, du soin. Et ça a été passionnant et ça a été aussi exotique pour une anthropologue que d'aller chez les Touaregs. La seule différence, c'est que le soir, je rentrais chez moi et que je n'avais pas trop de difficultés de communication, même si je faisais en sorte, tout le temps où j'étais avec les adolescents, eux, ils étaient privés de leur téléphone. Ils n'avaient qu'une heure le soir où ils avaient le téléphone. Et donc, je faisais en sorte aussi de laisser mon téléphone dans le poste de soins. Comme ça, j'étais comme eux, je n'avais pas de téléphone. Et l'heure où ils étaient sur leur téléphone, je prenais aussi mon téléphone. Ah ben c'est bien, ça soulage à pas avoir le téléphone pour moi. Oui, c'est vrai. Et du coup, ça continue cette recherche ou, enfin, oui. Cette recherche, elle continue. On a déjà publié un livre. Il y a un autre livre qui va être publié. Il est déjà en ligne, mais l'édition papier va sortir là le 11 mars. D'accord. Et en fait, moi, j'ai publié pas mal d'articles aussi sur la question. Et je continue cette recherche parce que ça me passionne. Et plus j'écris sur ces terrains, plus j'arrive à faire les liens entre ce que j'ai vu et observé chez les Touaregs et ce que j'ai vu et observé dans mes enquêtes avec les jeunes ici. Et tu vois, cette réflexion que j'ai eue adolescente, j'aimerais tellement savoir comment vivent tous ces gens. J'avais l'impression que chaque personne avait une vie extraordinaire. Certes, chaque personne a une vie singulière et extraordinaire, mais finalement, quand tu étudies d'un point de vue anthropologique, il y a les manières d'être adolescent, de s'exprimer en tant que fille, garçon, intersexe, sans genre, etc. Et bien finalement, ça va être singulier dans chaque société, mais la préoccupation est la même pour toutes les sociétés, c'est-à-dire de trouver une structure, des représentations sociales et culturelles dans lesquelles ces individus trouvent une place. Et j'ai déjà écrit là-dessus, j'ai de plus en plus envie d'écrire, j'ai de plus en plus la passion de l'écriture, ça me tient très, très à cœur. En plus, je trouve que dans la littérature, on trouve énormément de choses passionnantes qui font les liens avec nos recherches plus académiques. Et récemment, par exemple, j'ai relu Marguerite Duras, Un barrage pour le Pacifique, contre le Pacifique. Et j'étais en train d'écrire un chapitre de livre sur les jeunes en retrait et l'anorexie mentale, etc. Et tout ce qui se disait dans Marguerite Duras, je le retrouvais finalement dans ce que j'écrivais. Et je trouve que c'est une chance, ça me passionne. J'ai toujours voulu faire ça finalement, lire, écrire, parler avec les uns et les autres. Et finalement, j'ai cette chance de le faire. Ah ben oui, waouh, c'est super passionnant. Et j'imagine, parce que, enfin, l'écriture, là, t'as envie d'écrire et tout ça, mais ça prend du temps, ça prend... Est-ce que des fois, t'as peut-être, parce que c'est vrai que t'es dans le terrain, t'es à l'université, t'as beaucoup d'échanges avec les gens, est-ce que des fois, quand tu trouves devant ton ordinateur et tu commences à écrire, tu as des fois des blocs et tu dis « Oui, 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 je ne sais pas comment articuler cette pensée, parce que je l'ai dans ma tête, mais ça ne sort pas. Ça, » ça... Oui, ça arrive, mais en fait, de moins en moins. Ça arrive au début, une fois que j'ai la structure et que je sais à peu près où je veux aller. D'accord. Les choses deviennent beaucoup plus fluides.
Autrefois, j'avais du mal, par exemple, à arrêter d'écrire et à y revenir une semaine après. Je trouvais ça extrêmement frustrant. Je le trouve toujours que c'est très frustrant parce qu'en tant qu'enseignant et chercheur, même si j'adore enseigner, j'adore mes étudiants, hein, ils m'apprennent énormément et c'est passionnant d'enseigner et de transmettre. Mais c'est vrai que l'écriture demande un retrait, demande de s'isoler. Hein. Et des fois, quand ce n'est pas possible, pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, des fois plusieurs mois, voire plusieurs années, y revenir, c'est quelque chose de dur. Et là, tu te dis, mais qu'est-ce que je voulais dire? Et de plus en plus, j'ai le sentiment que si tu as vraiment ton idée, ça va se débloquer. Et donc, bon, écoute, fais-toi un thé ou va faire un tour. C'est ce que je dis à mes étudiants d'ailleurs, hein, quand ils sont bloqués sur leur mémoire, je leur dis, écoutez, le week-end arrive, vous allez faire quelque chose pendant ce week-end, délassez-vous, prélassez-vous, et puis vous verrez, lundi, ça ira mieux. Ils ont beaucoup de mal à me croire. Ils se disent que s'ils vont lâcher, ils vont tout perdre et qu'après, ils n'auront plus le courage de reprendre. Mais non, ce n'est pas vrai. Ça fait énormément de bien à un moment de tout arrêter et de lire autre chose. Alors, j'aurais envie de dire que le travers quand on est chercheur, c'est que tout ce que tu lis, comme je te disais Marguerite Duras, hein, mais tout ce que tu lis te fait penser à ta recherche finalement. Oui, il y a plein de connexions, oui, c'est Oui, super. et c'est assez fantastique en même temps, hein, mais ça peut être un manga, une bande dessinée que ton enfant te fait découvrir, etc. Et tout d'un coup, tu fais des liens, et c'est absolument extraordinaire. Super, ben merci beaucoup. Je suis vraiment, je sais pas, j'ai pas le mot, mais j'aimerais bien rester encore parler de plein de choses. Du coup, est-ce que il y a d'autres projets qui vont se dérouler après ça, ou d'autres connexions? Pour le moment, en fait, c'est ça, c'est ces projets-là, l'envie d'écriture, parce que c'est vrai, bon, okay, il y a toujours des liens qui s'y créent. En fait, les projets, ils arrivent tout le temps. Il y a des projets de co-écriture avec une collègue et amie psychanalyste, par exemple, donc de faire un dialogue entre la psychanalyse et l'anthropologie. Je trouve ça absolument passionnant. Je pense qu'on peut faire ça avec différentes autres disciplines. Il y a des choses que je trouve fascinantes que la jeunesse propose. J'ai eu un étudiant à un moment donné qui faisait du slam. Et en fait, on a organisé dans un de mes cours, dans un amphithéâtre, une séance de slam avec tous les étudiants. Ils étaient 120. Et quasiment tout le monde a participé. Et c'est un des moments pour moi historiques de ma carrière universitaire parce que je trouve ça tellement merveilleux quand tu donne le bâton, le relais, tu sais, à tes étudiants, et que c'est l'étudiant tout d'un coup qui se met à ta place et qui mène la danse. Et je trouve ça absolument merveilleux. Et je trouve qu'il y a plein de choses à faire. En fait, j'ai tout le temps plein d'idées, plein d'envies. Super. Wow. Merci beaucoup, Christine. C'était super passionnant. Peut-être une autre fois, j'aimerais bien parler d'autres sujets plus spécifiques. Tu aurais quelques mots à échanger pour terminer cette interview, parce que voilà, moi je veux vraiment montrer la beauté créative de chaque personne. Voilà, toi c'est compris de tout le début que voilà, tu aimais les gens, tu aimais me communiquer, savoir qu'est-ce qui se passe, t'allais dans le terrain. Déjà quand tu parlais, moi j'imaginais, tu sais, dans ma tête, je visualisais comme Indiana Jones au féminin. J'étais là.
professeur en même temps, bel terrain, j'étais là super fascinée. Et du coup, voilà, moi avec ce channel YouTube, en fait, ces chaînes, j'aimerais bien vraiment montrer qui. Si on suit nos envies, ce que on le sent vraiment, qu'est-ce qu'on a dedans, même si on a des peurs, même si on s'est dit ah, maintenant je pourrais jamais faire ce travail-là, je sais pas, si on se met des excuses à chaque fois, de toute façon ça revient tout le temps. Mais quand on arrive à être nous-mêmes, voilà, on a plein d'idées, on est enthousiaste, on a envie d'y aller on n'a pas peur d'être au milieu de voilà, et on y va. Du coup, j'aimerais bien si tu as une phrase ou, je sais pas, peut-être un livre, quelque chose enfin, à communiquer. Alors, moi, j'avais envie de. Là, pendant que tu parlais, il y avait deux choses qui m'apparaissaient. Une plus ancienne, qui est un peu la base que je raconte beaucoup à l'université, qui est le travail de Tim Ingold autour de l'apprentissage et de toute l'anthropologie de l'enfance, où il dit que nous ne sommes pas des pages blanches sur lesquelles s'inscrivent les représentations sociales et culturelles. Nous sommes des êtres créatifs. Certes, nous recevons des représentations, des injonctions, des structures, mais c'est à nous en fait d'en faire quelque chose. J'ai l'habitude de dire, c'est comme un aliment qu'on consomme, mais chacun a sa façon de le goûter et chacun a sa façon de le digérer. Donc en fait, Tim Ingold, il dit que la culture, elle n'est jamais reproduite à l'identique, mais qu'elle est toujours renouvelée à chaque nouvelle génération. Et je trouve ça merveilleux en fait de dire que en fait, on est tout le temps, on n'est pas en train de recréer, de simplement reproduire, mais on crée aussi du nouveau. Et qu'il ne faut pas avoir peur de cette création, même quand elle paraît violente ou verbalement un peu perturbante, ou même dans le rap ou dans certaines manifestations artistiques, etc. Si elle nous interpelle, c'est qu'il y a quelque chose, en effet, qui doit être modifié. Et l'autre chose, c'est que je suis en train de lire une philosophe française qui s'appelle et qui est psychanalyste aussi, qui s'appelle Cynthia Fleury. Je ne sais pas si tu la connais. Et en fait, elle vient d'écrire un livre qui s'appelle Sigil amer ou Comment guérir du ressentiment. Et en fait, c'est très intéressant au-delà du fait qu'il est assez philosophique et évidemment aussi très psychanalytique parce qu'elle est aussi psychanalyste. Mais il y a des choses que je retrouve d'un point de vue anthropologique très importantes. C'est qu'elle dit que tant qu'on est dans le ressentiment, on ne peut jamais créer quelque chose de nouveau. Et que donc, il faut passer outre le ressentiment pour aller vers la régénération. Que ce qui a été cassé est irréparable, mais qu'on peut créer quelque chose de nouveau. Et voilà, et je trouve que d'un point de vue anthropologique, moi qui ai vécu dans une société en guerre, je l'ai tellement vu sur le terrain. On pense que ces gens ne vont jamais se remettre du fléau qui les accable, et aujourd'hui encore plus. Et c'est vraiment horrible de savoir. Et en même temps, eux, ils sont capables de donner un message absolument incroyable où ils disent, bah, on est là, on est en vie, donc il faut bien continuer et continuer de créer. Et c'est une création quotidienne finalement. Ben, merci beaucoup, Christina. C'était super. Merci. Merci à toi, Olivia.